Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Paladin. Donc nous avons apparemment différents serveurs, on va aller dans le serveur européen, et différents types de parties. Siège, survie, charge explosive. Je pense que siège est le mode le plus intéressant finalement. Niveau 15 requis, je ne l'ai pas encore, je suis curieux de savoir ce que c'est. Carte test, d'accord. Je pense que je vais plutôt partir pour uniquement du siège. Ça me semble bien plus intéressant vu que le personnage que je joue, Maeve pour l'instant, semble plus optimisé pour ce genre de carte. Vu le peu de points de vie qu'elle a. Ou alors on va se préparer à un autre personnage, je ne sais pas. Champion. Faudrait que vous me disiez. Moi j'ai bien envie de prendre Fernando parce que physiquement il ressemble au personnage que j'apprécie. C'est un tank quoi. D'ailleurs c'est pas son style normal. Hop. Son style normal le voilà. Et que je le trouve assez stylé quand même. Hein. Mais bon. Le problème c'est bien ce que j'ai dit, c'est que c'est un tank et que j'aimerais bien faire plus de dégâts dans ce jeu. Kinesa que j'aimais bien aussi, mais je sais pas si elle est viable finalement. On peut peut-être partir avec elle. Voilà, on va créer ça déjà pour elle. Ok. Et en termes de deck, on va créer un autre deck pour elle. Donc, mine, transporteur, mode sniper, voilà. Chaque tir entièrement chargé, redonne, ouais, pourquoi pas. On va aller voir d'abord. Ouais, bah vous voyez, je suis pas convaincu. Ça, clairement. Ok. Ça, clairement. Ça, clairement. Ça aussi. Aussi. Et voilà. Maintenant. Qu'est-ce qu'on peut vraiment rajouter là-dessus? Je rappelle qu'on a affaire à un sniper. Je sais pas si le transporteur va être véritablement utile en fait. C'est ça le truc. Essayons ça. Ils appellent ça le kit générateur. Ah bon? Ok, tu le dis. Pourquoi pas? Essayons ça, on va laisser ce personnage. Est-ce qu'on l'essaie du coup? Bon, on va laisser en siège, on va bien voir. On va bien voir, rejoindre la file. On va bien voir. Donc un personnage qui est principalement un sniper. Hein, comme vous pouvez vous en douter sans la moindre hésitation, vous avez pu voir à quoi il ressemblait. Par conséquent... Reste à savoir si maintenant ce sera bien ou pas comme personnage et si on arrivera à faire quelque chose avec. Maintenant, il faudra qu'on ait le compte niveau 7 pour avoir des quêtes. Ça peut être sympa les quêtes, le principe de quête peut être sympa. En fait, j'ai l'impression qu'il y a une grosse inspiration de MOBA derrière, clairement. J'aimerais bien qu'il y ait une inspiration aussi de l'autre côté, c'est-à-dire qu'il y ait une inspiration du côté d'Overwatch vis-à-vis de ça, puisqu'il y a des principes qui sont pas mauvais. Du coup, nous disions, si je la trouve, là. Kinesa. Hop. On va bien voir, hein. Advienne que pourra, maintenant. Hein. Soyons fous. Promotion spéciale. Vous voyez, j'ai l'impression que la plupart des trucs, c'est des promotions. C'est un poil dommage. Bon, elle ressemble quand même sur le principe beaucoup à Widow. Hein. The battle is about to begin. Ok, bon, on y va là. On y va.
La mangrove. Alors, le problème des snipers, c'est que ça nécessite normalement beaucoup de placement. Savoir connaître les maps, savoir où se placer pour faire les dégâts. Sur la map précédente, par exemple, se mettre au fond et attendre, c'était assez pratique. Voilà. Essayons ça. Et donc, vous voyez, j'ai un tir qui se charge. Boum. J'ai un truc comme ça. Boum. J'ai un téléporteur sur lequel je peux me déplacer. Enfin, qui me déplace automatiquement dessus tout seul, apparemment. J'ai deux mines. Qui apparemment sont des mines de proximité. Je regarde, hein. D'accord. D'accord, ok. Pourquoi pas. On verra bien. 3, 2, 1. The battle has begun. Bon à savoir que je passe au travers. Ok. Ok. On recharge. En cas de pépin. Ok. Escort the payload. Et c'est là que le problème va arriver. Alors question. Il colle. D'accord, bon à savoir, il colle. Bon c'est pas grave, vous inquiétez pas, c'est pas grave. Ce que je voulais voir, c'est si oui ou non. Cela ferait des dégâts. Cela collerait au payload, pardon. Personnages qui discutent entre eux. C'est assez sympa, je dois bien le reconnaître. Wow. Ose repasser. Faut pas que je passe dans les flammes, j'aimerais bien. C'était moi apparemment, d'accord. Ah la vache, Il y a du talent, hein, mais j'ai pas la fibre du sniper en fait, finalement, si je puis dire. C'est-à-dire le feeling, la façon de faire. Tant pis. Donc je sens que je vais pas être méga utile à l'équipe. On verra. Mais finalement, est-ce que je vais vraiment être utile? Je ne pense pas. D'accord. Point spawning in 15 seconds. On verra. Et la sensibilité est gigantesque pour un snipe. Je trouve. C'est pas grave. J'ai peur que ça me pourrisse aussi mon training sur. Passe pas devant moi. Passe pas devant moi. Ok. Je gagne des points pour l'élimination de deux personnages grâce aux mines, je pense.
Allez, ose revenir. Ok, toi je vais pas te louper. Escort the payload. Putain, je suis mauvais. Je suis mauvais. Putain, y'a. Y'a un truc bizarre avec. Je crois que c'est mon bracelet. C'est peut-être mon bracelet. Qui fout la merde. I am not afraid. Bon, la vache. Essayons d'autres placements. Non, passe pas. Au revoir. Ok. Victory. Victoire. Untouched. Je sais pas ce que ça veut dire comme mais pourquoi pas. Bon bah ça se passe bien. Oui, je m'attendais pas à ce que ce soit moi qui l'ai. Beaucoup de Russes ou pas? Alors, l'avantage des armes qui n'ont pas de recul. Vous avez vu ça? Le nombre de kills. Incroyable. Incroyable. Ah, bon bah il n'y a pas plus de gens apparemment. C'est pour la blague. D'accord, je gagne encore un coffre. On va aller prendre ce coffre. Crac. Ok. Oh, grenadier, frag. Ok, pourquoi pas. Temps de recharge de la grenade. Formation réduite d'une seconde pour chaque joueur ennemi qu'elle touche. Oh putain. Ça peut être complètement craqué cette histoire. Alors peut-être qu'il y a des cartes qui ne se jouent. Enfin, qui ne sont. Je sais pas. Qui ne se gagne que par les coffres, je ne sais pas. Social. Pixel gun. Si tu veux. Si tu veux. Pourquoi? Fernando. Oh, on va prendre Enzo. Ou lui? Non, on va prendre Enzo, parce que j'ai envie de prendre Enzo, là. Là, clairement, Enzo, c'est l'amour. Ce sera l'amour, bientôt. Je vais faire l'amour avec Enzo. Ce sera bon. Non, on va pas prendre Enzo, je pense pas. Peut-être reprendre un personnage qu'on a déjà pris. Je ne sais pas. Ou alors lui, mais je crois que c'est un tank aussi. Ouais, c'est un tank. Willow, ça c'est tellement hostile. Cassie, c'est quoi déjà? Ah, c'est l'arbalétrière. Ah. Ouh. Ça peut être craqué, ça. C'est tellement craqué, ça. Vous savez quoi? On va faire un annulé, voilà. Champion. On va faire un. Un deck avec ce qui tourne autour de ça, de dégager du tir au pigeon. Voilà déjà ça. Clairement ça aussi. Ok, je l'avais déjà mis.
Ok, ça clairement aussi ça va être utile. Et... Aha. Ça, ça peut être intéressant. Crac. Quelques points sur tir explosif. Ok. Ok. Potentiellement, je peux avoir fortement réduit. Voilà, on l'appelle expulsion, c'est très très bien. Compétence, dégager 12 secondes. Donc 12 secondes. Mais, si je touche une cible, ça fait plus que 9 secondes, 7 secondes. Et là, 12 secondes moins 7 secondes, ça fait plus que 6 secondes. On va partir comme ça, on va bien voir. Et on y va. Crac, classique, rejoindre. Allons voir, chers amis. Il est possible qu'on tombe quelque chose de sympa. Pixel gun, c'est quoi ça? Tu me veux quelque chose? Non, je sais pas, moi. Je croyais que tu me parlais. Ok, on... ah bah j'ai pas le droit de la prendre. Déjà, dès le départ, ça va plus. Bon, bah, tant pis. On va prendre Maeve. Maeve. Hop, excusez-moi, j'en garde un truc. Ce jeu est peut-être sympa, je sais pas. The Surge, est-ce que vous en avez entendu parler, chers amis? Je pose la question, sait-on jamais? Je suis curieux, je suis curieux, je suis curieux, je suis curieux. Ok, bon, bon, on va bien aller voir. Ah oui, c'est vrai. Tiens, voilà. Un beau canasson. The battle is about to begin. Mais je sais pas si ça fait combien de temps que Paladin est sorti, mais c'est vrai que pour l'instant, je le trouve pas extrêmement complet. J'ai l'impression que... Vous voyez, regardez, on tombe toujours sur les deux mêmes maps, c'est très étrange. S'il y a qu'une map par, ou deux maps par style de jeu, effectivement, c'est pas épique. Maintenant, reste à savoir si son développement est rapide. Je ne sais pas du tout si c'est le cas. What doesn't kill me, better start running. Voilà. Je prends pas le son, regardez. Ah non, c'était... Ah non, c'est bon. Je crois que c'est... En fait, c'est... voilà, c'est d'accord. C'est elle qui doit faire ça. Ouais, ça doit être ça. Ok, pourquoi pas. Allons-y. Allons-y. Donc je vous rappelle que c'était un pack pour le dash. Hein. Ah, j'avais oublié qu'elle avait un double saut. Genji, sort de ce corps de petite fille. Allez, 5 secondes. 3, 4, 3, 2, 1. J'avais oublié qu'avant, après, qu'après 5, enfin avant 5, il y avait 4. Ok. Ok. First blood. Je suis mauvais. Ok. Oh là. D'accord. Et donc, en termes de points, ils en sont où là? Ah d'accord, ils grimpent toujours. Why not? D'accord. Hop. Ok. Enemy killing spree. Ok.
killing spree. Ok. Oh la vache. Ah c'est son lance-flamme. J'avais... Alors j'ai l'impression qu'il y a des gros bugs dans le jeu. Parce que je n'avais pas vu ces flammes à la base. Je pense qu'on sera tous d'accord à ce sujet. Je n'avais pas vu ces flammes à la base. Oh la vache. Mais ils sont où mes tanks? On en a peut-être pas cela dit. On en a pas. Double kill. Je sais pas ce qu'il faut pour me l'acheter. H. Oh la vache! Enemy killing spree. C'est elle qui me fait ça, la vache, c'est violent. C'est bien joué, hein, mais c'est violent. Putain, mais... Ok. Je suis assez deg. Reconnaissons-le. Je suis assez deg. Pourquoi? Puisque finalement, on va avoir beaucoup de mal. On va avoir énormément de mal. Je sais pas comment on va s'en sortir, honnêtement. Sans tank, on va avoir beaucoup de mal à s'en sortir. Et il faudrait que je focus le tank. Point spawning in 15 seconds. Faut que je réfléchisse comment je peux m'en sortir. What? Putain, et on sent pas qu'on se prend des dégâts quoi, c'est violent. Le premier tir, je l'ai pas senti du tout passer hein. C'est bien mieux joué que moi. Et c'est bien mieux joué que moi. Donc elle a utilisé son 9 vies pour avoir un double dash. Quelque chose que je devrais faire en fait. Clairement. Voilà. Okay. Good night. Je veux quelque chose qui me fait des dégâts. Killing spree. Double kill. Oh la vache. Et je crois qu'il nous heal pas. On a un soutien, lui. Mais j'ai pas l'impression que... Ou alors ça heal pas des masses, c'est possible aussi, hein, mais... Je ne sais pas. Enemy double kill.
putain. Oh la vache. Ah, il lui restait quoi, un PV? C'est écœurant. C'est écœurant, c'est écœurant, c'est écœurant. Ouais, je sais bien qu'elle est unstoppable. Putain, elle est incroyablement mieux. En plus, moi, vous avez vu les grands écarts que je fais à chaque fois que je tourne. C'est juste un problème d'habitude, finalement. J'ai pas la même sensibilité que sur Overwatch. Et ça me recte complètement ma partie sur un personnage qui a beaucoup plus d'habitude. C'est dommage. Ok. C'est dur. C'est dur, c'est dur, c'est dur. C'est extrêmement dur. J'ai gaspillé mon good night parce que voilà, par principe, je savais, j'avais complètement zappé que mon ult restait sur une d'une map à l'autre. Je suis stupide. Je suis stupide. C'est faisable, c'est faisable, c'est gagnable, il y a pas de souci. 5 4 3 2 1 I will not die. Not yet, amigo. Ah, puis je suis en feu, et voilà. Ah. Ah oui, d'accord, j'ai même pas vu passer avec son canasson, quoi. Mais c'est vrai que pour ce genre de partie, avoir un tank, c'est la vie, hein, parce qu'il prend le point, quoi. Quoi? Qu'est-ce qui vient de se passer? Où est-ce que... Qu'est-ce que ce bordel? Ah putain, c'est TP! Oh là 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 là! Et c'est TP! Putain, je l'ai gaspillé! Ok. Ok. Je me sens tellement lent. Je suis mauvais, je suis très très mauvais. Pour moi, je pense comme Tracer, je peux dash en arrière. Et du coup, là, j'étais en train de partir en arrière, j'ai dashé, mais en fait, il est parti par devant, quoi. C'est débile. Allez, allez les filles. Ah putain. Ah, c'est chiant. C'est chiant, c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. C'est chiant parce qu'on sait qu'on va perdre, mais on sait surtout comment et à cause de quoi on va perdre. Yes.
30 seconds remaining. Allez! Merde, c'est pas ça que je voulais faire! C'est pas Good Night que je voulais faire, putain, c'est A! En fait, pour moi, A, ça reste l'ultimate. Ah, c'est chiant! C'est chiant. 10, 9, 8. Et tant qu'on n'a pas de victoire, malheureusement. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je crois qu'il. Ah putain, c'est incroyable! Ça, je suis ralenti, je peux pas m'en sortir. C'est, regardez, ralentissement en feu et soin réduit. J'étais baisé dès le départ. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais tout ça parce que finalement, c'est le tank qui a tout fait. C'est leur tank qui a tout fait. Parce qu'ils pouvaient garder le point sans qu'on puisse rien faire. 30 seconds remaining. Voilà, un petit triple kill quand même. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, bah moi qui voulais choper le bon personnage, j'ai pas pu. On va ouvrir notre coffre. Et on va se laisser là pour ce dernier épisode de cette session. Avec des choses inintéressantes dans le coffre. L'exécution augmente de 8% votre vitesse de déplacement pendant 5 secondes. Vous récupérez 50 PV après avoir activé semi. En restant près d'une tourelle, les effets de contrôle sont réduits de 10%. D'accord, voilà. Eh bah écoutez, on se retrouve dans le prochain épisode pour un peu plus de... Paladin, salut les gens!